Salut à tous les amis, ici GGMoneyGX pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale en quelque sorte, parce que cette vidéo concerne en quelque sorte, entre guillemets, concerne mes achats de 2011. J'ai trouvé quelque chose que au début je pensais l'acheter sur internet, mais j'ai trouvé quelque chose dans un magasin, dans le Leclerc pour être précis. J'ai trouvé quelque chose qui n'était pas cher et que j'ai que en quelque sorte j'avais besoin, enfin qui faisait partie de mes achats de 2011. Sauf que j'ai été un petit peu déçu. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Déjà, j'espère que vous avez tous bien aimé mes vidéos du Poké Park et tout, parce que c'était les dernières. Je ne continue plus l'aventure. Non, je déconne. Non, je voulais faire une chute comme ça. Non, non, je déconne, c'est pas vrai. Non, j'espère que vous les avez bien regardées et tout. J'espère qu'elles vous plaisent. Et tout et tout. Donc, comme ça. C'est une blague, hein. Donc, je vous rappelle quelque chose de nouveau. Ça. Le Pokémon Combat Galactique, donc la saison 12. Par contre, c'est chiant, c'est le volume 2. Ils n'avaient pas le volume 1. Donc c'est le coffret DVD, sauf qu'il y a un peu chiant, c'est que c'est le volume 2, mais c'est là où on voit Chimpanfeu, enfin, Ousticram qui évolue en Chimpanfeu, je crois que c'est dans ce coffret-là, ou alors c'est dans le coffret d'avant, ah et mince, je crois que c'est dans l'épisode 26, donc là il est écrit de épisode 27 à 52, voilà, donc il a coûté 15 €, hein, comme vous le voyez, donc derrière, donc c'est une sorte d'unboxing en quelque sorte, hein. je mettrai entre guillemets unboxing, donc voilà, donc là vous voyez différents DVD qu'il y a dedans, donc là on voit un petit résumé, hein, comme toujours, là, on voit des trucs, voilà, 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 donc c'est parti, on va l'ouvrir, hein. Sauf que j'aime pas ouvrir ces espèces de... À l'aide, les ciseaux. Ah, mais... Les ciseaux sont impuissants, qu'allons nous faire? Si, ils ont réussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est en quelque sorte, oui, une unboxing. Donc, dans le titre de la vidéo, ce sera, entre guillemets, unboxing, donc, de coffret Pokémon, saison 12, le deuxième. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Et donc c'est parti. Donc là il est jaune, il est très très beau, hein. Donc sur la tranche là il est écrit Pokémon Combat Galactique, le petit symbole, enfin c'est pas un symbole, c'est celui qui dit épisode 24, 27 à 52. Là il y a le truc 3 DVD, enfin bref. Et donc là il y a Pokémon Combat Galactique. Là, il y a des choses space. Donc, c'est parti. On va découvrir ensemble que contiennent ces épisodes et tout, parce que moi, je m'en souviens pas trop. Donc, ah, ça fait comme Diamant et Perle, c'est trop ouf. Enfin, c'est normal, c'est... Enfin, ça fait la même lignée à peu près. Ah, vraiment très content. C'est quoi, ça? C'est qui, ce mec? Ah, c'est trop space, comment ça fait? Ça fait comme dans Diamant et Perle. Ah oui, quand même, il y a beaucoup d'épisodes. Leur truc. Il y en a 1, 2, 3, 4. 17 épisodes par DVD, mes amis. Ah la vache, quand même. Ouh, cool. Donc, on commence par les épisodes 27 à 35. Donc, le DVD se trouve comme ça, avec Regigigas, Pikachu, Boule de Neuf, Mustaboué, Tiplouf, Cradopo, Etouraptor, Pikachu, Laporeille et Sacha. Donc voilà. Vipélière qui foire tout comme à son habitude. Non, je déconne, c'est moi qui ai fait une vibration. Voilà. Et donc, je vais vous dire les épisodes. Donc il y a épisode Stratégie évolutive. Donc c'est l'épisode où... Ouais, donc... ah... Merde. Ousticram évolue. Il y a l'ombre de la légende, c'est là où Pierre, Pierre rencontre l'ombre de Créelf. Sauver la forêt, c'est un truc avec Boule de Nœud et le Mamochon d'Aurore. Mission d'infiltration, je m'en souviens plus. Non, je sais plus.
J'ai plus Mission Infiltration. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. L'opération secrète. Ah oui, l'opération secrète. Donc l'opération secrète, c'est là où il y aura la team Galaxy qui machinera pour la chaîne rouge, là, au Mont Couronné. Rivalité amoureuse, j'adore cet épisode, il est vachement drôle. C'est en fait, Tiplouf est amoureux d'un Maril et Illiquid aussi, donc enfin voilà. Vous verrez quand je vous ferai les vidéos de plus de 15 minutes, si je vous ferai aussi celle-là. Une stratégie bien de chez soi. Ah oui, c'est quand Aurore affronte sa mère. L'usurpateur. Ah oui, c'est quand James prend la place du professeur Chen. Parce que le professeur Chen il a des ennuis en quelque sorte avec un Tarpo, ça affrontera un Tarpo avec Cradopo, enfin bref. Ah oui, un mystère de taille, donc le dernier, un mystère de taille. C'est avec Natu et Xatu qui sont dans une forêt, c'est trop space, je vous montrerai parce que j'aime bien cet épisode. Donc maintenant. Ah non, celui-là il en a pas 13, celui-là il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, et là il en a 13. Bon, c'est space. Donc, épisode 36, le choc des titans. Ah ouais, c'est là où le boss Kara de Sacha affronte le Rhino Stock de Connor, je crois. Un Togepi face à Tio. Ah, j'adore cet épisode, c'est le Togepi maléfique, j'adore trop. Un 9-9. Ah, c'est pas là où. Ah, si, oui. C'est là où va y avoir l'œuf d'Erisandre pour Aurore. Sinon, après, c'est panne de courant. Donc, ça, c'est encore avec Célesta et tout. À la pêche au Grignot, c'est encore avec Célesta. C'est là où Sacha vont tenter d'attraper un Grignot. Un remplaçant de choc, je sais plus trop c'est quoi. Un match en double amical. Ah, oui, c'est. Sacha et Aurore font un match contre Célesta et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Jérémy, pour un cadeau d'adieu en quelque sorte. Après, il y a querelle de famille, nos héros rencontrent un frère et une soeur qui ne s'entendent plus. Ah oui! Ah oui, ce vieux truc! Ah ouais, donc c'est là en fait où il y aura Cornèbre et Feu Forêve et il faut trouver une pierre nuit et tout, enfin. C'est assez space, je m'en souviens plus trop. La loi de l'attraction. Attendez, je lis les résumés. Ah ouais, ah oui. La loi de l'attraction, c'est là où Pikachu et Tiplouf sont des gays. Donc ils sont grave pédés dans cet épisode. Mission de secours. Mission de secours, la Team Galaxy. Ouais, bah c'est là où il y a la Team Galaxy, je sais plus trop. Attendez, il y a un blème là. Attendez, il y a un blème. C'est un épisode qui est censé s'appeler Un combat pour la vie, et là il n'est pas marqué, il est écrit Un combat désespéré. D'accord. Donc, Rêve d'un destin, c'est là où il y a encore la Team Galaxy avec les trois crêtes. Une lettre, non, un combat désespéré, donc c'est là où ils affrontent Dialga et Palkia, je crois. Attendez, saison 12? Bah oui, la saison 12. Oh, bordel, je m'en souviens pas. Un combat désespéré. Donc, une lettre compromettante. C'est là où en fait Sacha trouve le coffre à trésor de James et tout, et il va y avoir plein de merde dans cet épisode, c'est assez marrant quand même. Un Scorvol au vent, donc c'est là où Scorvol est confié à un gars, donc là où en gros il abandonne le Scorvol en quelque sorte, c'est mouvement. En manque d'inspiration, ça je m'en souviens pas. C'est un truc avec Aurore apparemment. Un Grignot très prometteur, donc voilà, il attrape le Grignot, pardon, et Grignot, un Pokémon glouton, c'est encore avec Grignot. Donc voilà, donc, ah oui, je vous ai pas montré la couverture de celui-là. Donc celui-là, il y a la Team Rocket, donc Jesse, James, Meowth, Vartan, Mime Junior, Kilbutoke, Nianmega et ses vipères. Donc bah voilà, donc moi je vais les regarder en me tapant un bon sandwich. Non, je déconne. Quoique. Donc voilà, donc j'espère que cette unboxing entre guillemets
vous a plu, en tout cas moi m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment fait plaisir de faire une vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc quoi d'autre? Est-ce que je passe une sorte d'annonce? Bah non. Non, je pense pas. Non. Non. Non, bon bah voilà. Ah si, peut-être que... Ah oui, l'épisode numéro 13 du Poképark, je sais pas quand est-ce qu'il se fera, vraiment. Il se fera sûrement lundi. En tout cas, lundi, il y aura un épisode du Poképark. Ça, vous pouvez en être certain. Il y en aura un lundi, il y en aura un mercredi, parce qu'il y aura un Octuflav. Maintenant, tous les mercredis, il vient chez moi, ou presque. Presque tous les mercredis, il vient chez moi. Wesh, bon bah je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc bah voilà, donc c'était Gigi pour vous donner, pour vous faire l'unboxing de Pokémon saison 12, le coffret numéro 2. J'attends avec impatience le jour où je pourrai faire le coffret numéro 1. Et regardez, il tient tout seul. C'est trop ouf. Regardez, il n'y a rien qui le tient là et tout. C'est trop ouf. Il tient tout seul. Ah, trop bien. Regardez. Pour être vraiment sûr, il n'est pas penché et tout, il n'y a rien qui... Attendez, je vais bien vous montrer. Il n'y a rien qui le tient. Il n'est pas penché et tout, il est tout droit et il arrive à tenir. Trop ouf. J'adore. Donc bah voilà, donc je vous dis rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus les amis. Bye bye à tous.